Yo les gens, c'est Cimérian, on est de retour. Et bah du coup j'aurais pu très bien pu vous montrer le mode exploration parce que j'ai torché la mission en 2 minutes. Du coup voilà, petit tour de la map. Donc là c'est notre campement, notre base générale. Je sais plus c'est quelle ville hein, pour être très franc avec vous. Voilà, hein, on s'en fout un peu. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à faire sur la map, même là si j'ai pas beaucoup de choses à faire. On va aller déjà parler à Levi. Voilà. Là, on peut voir avec qui on peut parler. C'est pour affiner notre amitié. Voilà, de temps en temps, on aura une petite cinématique. Ça dépend. Ah bah non, là, il n'y avait pas de cinématique. Alors, on a juste renforcé notre amitié. Point. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ou est-ce que je... Ouais, je vais juste vous montrer vite fait la map. Voilà, petit tour de la map. Allez là. Bon, les murs invisibles ils font un peu chier quand même. Alors en fait, là c'est ce que je vous ai dit pour le mode exploration. Voilà, vous parlez à ce perso. Hop, voilà. Et là vous voyez les missions d'exploration que vous pouvez faire. Voilà, j'ai fait les deux premières. Là c'est celle que vous avez vue, alors reprenez la base, vous avez vu la deuxième. Après on a le travail en équipe, là comme vous voyez en fait on a que 2 missions à faire, ou 3, je sais pas s'il compte la petite maison. Je pense pas qu'il compte la petite maison. Donc 2. Bah 2 et 3. Voilà, hein. Ça sert à ça. Ouais ouais. Lui c'est pour... c'est... Ouais voilà, si on veut... je sais pas trop à quoi ça sert, je l'ai pas encore fait. Hein, d'accord, c'est pour augmenter les constructions. D'accord. D'accord. Ouais, donc là c'est pas... Bah là, je peux pas vous montrer, mais c'est par rapport à ce que, en fait, à ce qu'on nous dit. Il y a certains persos qui ont des points d'exclamation orange, et quand vous allez voir, vous allez leur parler, ils vont... Ah, je sais pas, ils vont flémarder. Voilà, comme lui par exemple, je lui ai parlé, mais j'ai raté le dialogue. Du coup c'est mort. Voilà. Alors, vu que j'ai raté, il me dit qu'il est pas censé m'écouter, quoi. Bon, je vais pas vous mentir, les choix c'était quoi? C'était, vu qu'il se tournait les pouces, c'était... Ouais, je vais aller le dire à je sais plus qui. Ouais, c'est pas bien de flemmarder. Ou ouais, moi aussi j'ai envie de flemmarder. Bon, voilà. Je me suis dit, bon, on va pas faire la poucave, hein, parce que bon, ouais, franchement, ça fait un peu gamin. Et bon, j'avais pas trop envie de flemmarder, hein. Je pensais pas, je me suis dit, non, je pense pas que ça doit être ça. Mais bon, du coup, j'ai pris la seconde. Et en fait, ça, c'est pour refaire l'émission du mode histoire. Alors, je pense pas, je suis pas sûr de vous montrer le mode histoire, hein, parce que comme je vous ai dit, le mode histoire, bah, il spoil l'anime. Et du coup, bah, si vous avez pas vu l'anime, voilà, ça serait un peu dommage que je vous spoil. Après, si ça vous intéresse que je vous montre le mode histoire, bah, je vous le montre. Hein. Mais bon, après, c'est à vous de voir, hein, c'est vous qui me dites. Moi, ça me dérange pas. Je pense le mode histoire, si je vous fais une petite mission comme ça de temps en temps, c'est pas très très long. Ça va pas mettre trop longtemps à upload, hein, je pense. Bon, la map est pas... Là, le camp de base est pas super grand. Hein. Je vais vous montrer un peu le... Voilà, la petite zone d'entraînement, on va y aller vite fait. Bon, voilà, hein, c'est un tout petit truc. Là, c'est pour faire des entraînements. C'est pour améliorer votre perso, voilà. Est-ce qu'on veut s'exercer un peu? Bon, voilà, on va faire un petit entraînement solo pour voir ce qu'il y a. Là, c'est pour quoi? C'est pour augmenter ma force et ma santé. J'ai 90% de chance de réussite. Et... Comment je fais? Là, je peux monter, par exemple, je peux mettre 2 ailes pour avoir 100%. Alors, on va voir si ça augmente de beaucoup. Parce que là, j'avais 33. Genre, c'est ça l'entraînement. Ouais. Ouais. Ok. Hein, on va rien dire. Et du coup... Ouais, en fait, je pense qu'il faut en faire plusieurs, hein, pour que ça augmente, parce que...
1, voilà, là j'ai vu aucun changement personnellement. Du coup, je peux vous montrer quoi avant de quitter, parce que là c'était juste pour vous montrer un peu la map de base, voilà, les petits graphiques, gris, ah, graphisme. Puis voilà, hein, là on peut changer son équipement. C'est pour changer les, ob Pardon, les objets. Et ça, c'est les compétences dont je vous ai parlé un peu par rapport à un autre jeu d'amitié. Et du coup, d'ailleurs, je peux en rajouter. Donc, on va rajouter force plus 5. Ça, c'est l'attaque en piqué. Ça, c'est quoi? Réduit légèrement le temps de recharge des actions. Augmente légèrement votre puissance d'attaque contre les titans ayant perdu des parties du corps. Ouais, bon. Proximité, ça ouais. Après, il y a quoi d'autre d'intéressant? Autorité, augmente nettement l'autorité. Ah, ça peut être bien ça. Et du coup, je peux encore en mettre. Je peux encore en mettre un truc de 4. Plonger sur l'ennemi pour effectuer une. Ouais. Inflexible, réduit les. Ça sert à rien ça. Voilà, on va mettre ça. Voilà, là on voit les matériaux, on peut voir les cadeaux, les postures, voilà, le petit truc et astuce et le manuel. Puis voilà, hein, déjà on va sauvegarder. Ah, petite sauvegarde. Donc là vous voyez que j'ai quand même déjà fini le mode histoire à 35%. Hein. Alors que je suis qu'à 4 heures de jeu. Donc le mode histoire a l'air quand même d'aller assez vite. Hein. Bon, du coup, on va se remettre sur la place et puis on va se quitter les gens. Voilà, je remets sur la place. Hop, on va se mettre une vue quand même sur Camélia. Hop, bien, j'ai oublié qu'il faut maintenir. Voilà, hop, petit geste. Tac. Bon, allez, moi du coup, je vous dis à plus les gens. Allez, salut!